Réplique d'un brick de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Grâce est arrivée ce week-end dans la rade de Fréjus-Saint-Raphaël. Construit en Égypte entre 2008 et 2010, ce voilier tchèque mesure 32 mètres de long et compte plus de 360 mètres carrés de voilure. Il a repris le nom de la frégate du marin et explorateur tchèque Augustin Hermann, qui vécut au XVIIe siècle. La Grâce fut construite selon les plans publiés en 1768 dans le livre d'architecture navale et marchande de l'amiral suédois Frédéric Henri de Chapman, qui a développé son concept de la construction navale moderne basée sur des plans exacts et la production à la chaîne des bateaux avec des pièces préparées à l'avance. Utilisée comme voilier école, la Grâce propose également au grand public des croisières permettant de découvrir la navigation sur un vieux gréement. Fin octobre 2012, la Grâce jette l'ancre près de Puerto de la Barradilla à Marbella en Espagne. Des vents importants sur les voiles déjà pliées mais pas encore ferlées provoquent la rupture du mouillage. Une panne moteur empêche la maîtrise du bateau que le vent emmène sur la plage où il s'échoue. Les 8 membres d'équipage débarquent en toute sécurité, mais la quille, l'hélice et le safran sont endommagés et le bateau, posé sur le sable avec une gîte de 20 degrés à bâbord, présente des voies d'eau. 2 semaines plus tard, le bateau en grande partie submergé est renfloué. Il est remorqué puis déposé en cale sèche où les réparations commencent. La plomberie, l'électronique et les autres équipements modernes ont dû être changés ou remis à neuf. Toutes les pièces en bois sont séchées, poncées et vernies. Le moteur est entièrement démonté, lavé à l'eau douce, séché, huilé, reconstruit et une nouvelle hélice est installée. Le bateau reçoit une nouvelle quille, un nouveau gouvernail et 12 tonnes de ballast supplémentaires. Après 9 mois en cale sèche, la Grâce est remise à flot et reprend ses navigations. La Grâce a repris la mer ce lundi en début d'après-midi, direction 7, où se déroule, comme chaque année au mois d'avril, un rassemblement de vieux gréements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci.